Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo swap, comme vous avez pu voir dans le titre, avec... Avec Gloria. C'est une vidéo qu'on a préparée depuis 5 mois, ça fait 5 mois qu'on s'est acharné dessus et tout. On voulait se faire un très très beau cadeau pour Noël et on s'est dit pourquoi pas un swap. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir le colis, ça fait depuis ce matin que je l'ai et je suis en train de le regarder en mode... Avec ma bave qui coule là. Bref, du coup je l'ai ouvert. J'ai même pas lu le menu. Parti. Regardez, j'ai le sourire là. J'avais un déboîtage là. Alors, swap with mon Captain Jules. Aïe, ça va faire un an qu'on se connaît. Franchement, je suis super content de t'avoir rencontré. T'es un super bon gars. Captain Jules, sache que je t'aime fort fort fort. Aïe, moi aussi je te love. Bref, Insta de frafra terminé, place au cadeau. Non mais arrêtez, on dirait un gosse. Là il y a le numéro 1 qui se présente à moi. Donc il est comme ça, c'est grand grand. Je n'arrivais pas à faire le choix. Alors ouvrons ce petit chose. Ah mais elle m'a acheté les deux. C'est pour ça que je n'arrivais pas à faire le choix. Mais non, elle est archi belle. C'est une casquette en dents. Elle est archi fa. I love this. Ouais. Ça va pas avec ma tenue mais... Non, j'ai rigolé. Archi belle Glo, t'as fait un trop bon choix. Par contre, les casquettes à l'envers, ça me va pas. On dirait que je vais promener mon chien. Elle m'a pas pris une deuxième casquette quand même. Regardez, elle est en cuir. Non, mais elle gère, elle se pète ça. Merde, bon, là ça va pas, mais. Enfin, c'est archi belle. On dirait le gosse de CM2. Je les aime trop. Tu gères. Je suis ton père, mais un peu cassé. Alors, elle m'avait dit qu'elle avait fait tomber un colis, mais je pense que c'est ça. Oh là là, elle est mignonne. Elle m'a acheté une figurine Star Wars. Le pire c'est que j'ai vraiment pas de porte-clés, donc comme ça je pourrais l'attacher. Je suis ton père. Numéro 3, il lui aura trop bien à ton bébé. Wesh, à quelle heure j'ai un bébé moi? La fille elle me dit j'ai trop mal emballé, mais elle a trop bien emballé en fait. Mais c'est une blague. Parce que j'en voulais une en plus, je disais hey Glo, je voudrais une petite coque et tout. Et je l'ai. Tu sais que j'ai dit à Tatiana, ah, j'aimerais trop avoir une coque de MacBook pour Noël. Mon Noël est arrivé. Je suis gâtée avant l'heure. 4 Pikachu, fais la voix. Pikachu. Ça gère. En plus c'est pas de la Camelot, elle m'a pris. Attention. Avec mes deux petites queues. Je le retire parce que... Avec cette chaleur. Numéro 5, because you are my Captain Jules. Captain America. Comme ça, regardez, ça va avec les deux. Regardez. Ah mais c'est un frisbee. Ça fait bouclier et frisbee. Oups. 6, parce qu'on n'est pas sur YouTube pour rien. Qu'est-ce qu'elle a mis la gosse? Qui est sur YouTube se respecte. Ça sent trop bon. Je vais en mettre une dans mon salon, tu vas voir, ma mère elle va faire à la chance. Et non. C'est à moi. Tu en auras toujours besoin, toi et tes snaps. On adore. Pour iPhone 6? J'avais demandé le 7. En plus, il m'en fallait un parce que si vous savez pas, Clara Chanel me l'a volé. Et en plus, l'iPhone à l'intérieur. Merci. Je voudrais remercier mon père, ma mère, mon frère. Bon, faut que j'arrête de chanter. 9, parce que tu chanteras aussi sous ta douche. Mais c'est qu'elle m'a gâté la boue. Boom Swimmer. C'est pour écouter de la musique sous la douche. Je vais pouvoir écouter ses LEDs. L'eau chaude, elle va couler, hein. Numéro 10, Chubby Bunny. Obligé, c'est des chamales. Aïe. Putain, Glo, j'aime pas ça. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Vous savez qu'en plus, je l'ai jamais fait. Hein. Chubby Bunny. Oh là là. Ouf, je suis à la diète pendant 3 jours là. Numéro 11, ton nom apparaît au numéro 4. Alors Glo, j'ai rien compris. Ton nom apparaît au numéro 4, donc je regarde le CD, donc déjà, c'est la fuse. Booba, Barry White, Picasso, que du lourd. Je suis pas drôle. Gloria, numéro 11, ton nom apparaît au numéro 4, j'ai rien compris. Bah derrière. Bah j'ai regardé, le numéro 4 c'est passé à la caisse. C'est Jules. I'm a stupid boy. Qu'est-ce? Est-ce qu'en gros c'est Jules, mon frère? Allez, enlevez le prix du coco. Bon allez, je te laisse. Mais je suis bête, c'est Jules. Mais ouais, moi Jules, j'écoute mais je connais pas tout, passe à la caisse. Dédicace à Nico, j'ai un mec dans ma classe qui écoute ça H24. 12 businessman. Alors ça c'est un porte-monnaie je suis sûr. Ou un truc qui fait classe pour aller au boulot. Sauf que moi je suis joli.
Aïe. Je vais pas faire le mec et tout avec ma coque en mode daron. Ça fera combien? D'accord. Je suis un businessman. 13, on sait jamais si on te voit pas dans le noir, c'est fluorescent. Des coques. Ça c'est quand je sortirai le soir et tout avec mes potes. Allô. Hello. It's me. 14, c'est Tumblr Askip. Askip, hein. À ce qui paraît, tu parles de moi. Pourquoi tu fais Askip? C'est beau, j'adore. Elle m'a gavé de coque, elle m'en a acheté 3 là, je suis au bout. C'est ma petite réserve pour l'année. Tu gères. Parce que c'est une icône. Alors je sais pas, ça me fait penser au truc de Natou. Parce que c'est une icône, je suis sûr c'est le icône de Natou. T'es chiante, Glo, je l'avais déjà. Je rigole. Oh. 16, ça n'a pas d'arrière-pensée, t'inquiète. Banana, banana, banana. Bon, la meuf, elle me dit que ses colis sont mal emballés, mais ils sont un peu trop emballés. En fait, je vous explique que je lui avais dit que c'était un rêve de gosse d'avoir une brosse à dents électrique, mais elle va m'en vouloir parce qu'elle en voulait une aussi. Je l'ai pas acheté, pardon. Ça n'a pas d'arrière-pensée, bah j'espère bien hein, parce que j'ai les sourires de Colgate. 17, j'ai vu que avait la broche. Alors, elle parle français, mais je pense qu'elle a dû dire j'ai vu que tu avais la broche. Elle a vu peut-être que j'avais la broche Hunger Games, parce que j'aime Hunger Games. J'ai acheté le Gémoqueur. Je n'arrive pas. Après la broche qui se met là, j'ai le collier du Gémoqueur. Je sais pas si vous allez voir, elle a refait ma journée, elle a refait ma soirée. Regardez-moi ça, avec ma coque de businessman. Attention, pour le goût, regardez-moi ça. Ça, c'est à peine la moitié. Il reste tout ça. Jules qui devient un gangster, raïaïaï, raïaïaï. Putain, mais elle a trop bien emballé la cocotte. Si ça peut être un gangster, je sais pas, ils ont de quoi ressembler. Ouh, pardon. Elle m'a acheté de quoi ressembler. Ah, j'ai mal. Ouf, ça fait mal ton truc, Glo. Je vais faire un AVC. Plus c'est acide, mieux c'est. Alors, je t'explique. Dans mon lycée, ça c'est la grande mode. C'est le paquet de bonbons que tout le monde veut. En gros, c'est mes bonbons préférés. Qui ne va pas se faire péter le bide dans son lit? Ça, je dis rien. C'est Noël, n'est-ce pas, Papa Noël? Oh oh oh, c'est moi le Père Noël. Alors, je sens par mon flair que c'est une barbe. Mais c'est un petit pull de Noël qui s'ajoute à la collection que j'ai acheté chez Jules. Donc, c'est mon magasin. Non, j'ai... Surtout qu'en fait, je vous explique, demain, je fais Noël avec des petits, je vais pouvoir me faire passer pour le Noël. Donc, ça va être parfait. A Merry Christmas. Parce que je te vois souvent avec ce... Bah, écoute, ma belle, en ce moment, c'est les périodes où il fait froid. Donc, on a besoin d'une écharpe. Et j'aime beaucoup la couleur, même si ça fait un peu caca doigt, je dois te l'avouer. Non, en vrai, ça fait grave beau. Non, en vrai, j'aime beaucoup. Comme ça, ça me mettra en gras un peu plus. Et ça me permettra de fermer un peu ma gueule. Qu'est-ce que je suis gâté à ce Noël? Tu entendras mieux. Ça, c'est un truc dans les oreilles, donc je pense des écouteurs, voilà, m'a pris un truc pour les sourds, chien. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais dites-moi que c'est une blague, c'est pas des vrais écouteurs à l'intérieur. Me dis pas que c'est des écouteurs Beats. Tu sais, je me suis dit, c'est des petits trucs qu'elle a acheté 10€. Non, mais là, je rigole, tu sais, machin et tout, je suis content. Mais attendez, elle m'a acheté des écouteurs Beats. Elle m'a acheté des écouteurs Beats. On en parle. Bon, pour qu'il n'ait pas froid, Glo devient fragile. Par Gloria devient jamais fragile. L'Afrique représente. Chaussettes de Noël qui montent bien jusqu'au tibia pour... J'aime beaucoup. Par contre, t'as pété. Je suis pas drôle. 24, la richesse se mange pas froid. Ça me rappelle tellement quand j'étais petit aux anniversaires et tout, et à Noël et tout de l'école. Je suis riche. Là, tu vois, tout le monde dans les commentaires, tout le monde va faire ouais, rends l'argent aux abonnés. Bah, moi, je vous rends ça, les cocos. Je vous rends ça. Money. C'est qui a gagné? C'est Loïc?
Prends l'argent aux abonnés. Je ne rendrai pas, je vous rendrai ça. Numéro 25, tu en auras toujours besoin. Ça fait 8 mois que j'en ai pas acheté. Ça fait 8 mois qu'ils m'ont privé de trucs comme ça, je suis obligé de voler des bouteilles. Ça fait 8 mois que je m'en ai pas acheté. Je vais pouvoir refaire des photos, sachant qu'on se voit dans 2 semaines. Qui ne va pas faire une photo avec l'eau? 26, parce que le dessin me faisait penser au manoir de Paris. Putain, mais je trouve toujours tout sauf le 26. Ah, alors qu'est-ce qui fait penser au manoir de Paris? Manoir de Paris. J'étais au bout de ma vie. J'espère qu'elle va pas mettre un truc au bout de ma vie là. Bah dis donc, ton manoir de Paris il est bien mignon hein. Non, en vrai il est grave beau, en plus j'en avais plus. De toute façon je pense qu'à la rentrée j'en ai plus. Parce qu'en gros tous mes stylos passent à la casserole dans ma classe, il y a que des voleurs. Mais je crois que j'ai même pas l'emmener en cours, je vais le garder précieusement pour écrire mes petites vidéos dans mon petit pieu là. Faire mon philosophe, pour écrire des belles lettres en mode Baudelaire dans mon lit. Si la vie était un plat qui se mange froid, Gloria sera toujours là. Si la vie était un sentiment d'exploitation. Fatal Bazooka. Tu économiseras ton argent et tu en feras plus chez toi. Plus ou plus? I don't know. Sushi. J'en ai fait une seule fois chez des amis. Et je me débrouille pas trop mal, donc là. Mais je vais faire des sushis. Pète ta mère la prochaine fois que tu viens chez moi. T'inquiète pas, on se fait atelier cuisine, sushi. 28, je sais pas pourquoi, mais ça pourrait te faire une petite déco. Ça, c'est une poupée vaudou. Je vous présente la poupée. La poupée. Pardon. La poupée vaudou. Pareil pour faire la youtubeuse beauté, quoi. Mais ça gère. Je vous fais un swatch, les filles. Pour ta future barbe. Inch'Allah, si j'en ai un jour. Quoique, ça commence un petit peu à pousser. Hein. Ça pousse, mais ça coupe. Alors, c'est un truc qui vient de chez Chrome. Je ne connais pas, mais mon père doit connaître, je suis sûr. En fait, je pensais que c'était un truc, un kit pour se raser chez App. C'est un parfum. Ça sent hyper bon. Oh, mais elle m'a tout acheté. Et c'est bon, là, je vais être la vedette de mon lycée. Hein. Ça sent trop bon. J'avais besoin d'un parfum. Je l'ai eu, Gloria. Vous voyez comment je l'ai mis bien, en vrai? France, on sait jamais si elle craque. Du baume à lèvres, en plus, je sais pas si vous avez remarqué dans ma vidéo, tout le monde m'a dit... Pardon. On m'a dit dans ma dernière vidéo, ouais, t'as un truc là, t'as un bouton d'aphné, en fait, j'ai les lèvres gercées, elles sont craquées, j'ai une cicatrice. Ça tombe, ma mère, elle dit tout. Non mais je t'en laisse tout le temps, tu les perds tout le temps. Ah bah décidément. 31, c'est la base dans un swap. La base dans un swap, ça c'est la phrase cliché. Numéro 1, tu le voulais tant. Eh oui, j'ai coco. Délice de miel. Ça sent la prune de la miel à la fleur de sel accompagnée d'un nappage de caramel. J'adore. Ceci était une imitation de youtubeuse. C'était le moment youtubeuse. Et enfin... J'ai même pas envie qu'il se termine. C'est trop bien, tu verras. Il est à mes pieds. C'est trop bien, tu verras. Donc, c'est-à-dire qu'elle connaît, mais moi, je ne connais pas. Pourquoi c'est trop bien? Ah, c'est trop bon, tu verras. Hein, déjà, me dis pas tu verras, parce que je suis le plus grand fan de bonbons. Par contre, faut que je les cache, parce qu'en fait, je vous explique, mon frère. Mon frère est un gros bouffeur de bonbons. Il me vole tout. Dès qu'il y a des bonbons, il a des cœurs dans les yeux et il nous pique tout. Donc... Caché. Fini les gens. J'en reviens pas. Le carnage que j'ai fait à mon salon. Désolé maman. Pff, c'est enfin fini, j'avais même pas envie que ça se termine, je suis grave deg. J'ai eu tellement de beaux cadeaux et de la bonne bouffe, la base. C'était tellement beau, Gloria, tout ce que tu m'as acheté, j'en reviens vraiment pas, tu m'as surpris. Dans mes vidéos, je suis comme dans la vraie vie, genre je dis jamais mes goûts, on sait pas ce que j'aime et tout, donc Glo, t'as géré, elle avait trop peur que rien ne plaise. Mais de A à Z, tout me plaît. Pour ce soir, c'était vraiment ouf, je vous laisse regarder moi ce que je lui ai envoyé sur sa chaîne. Je vous mets ça en barre d'infos. J'ai mis du mien, c'est l'intention qui compte, c'est pas le prix, c'est pas qui fera le meilleur swap entre nous deux, c'est vraiment genre, c'est l'intention qui compte, on va aller se faire un swap. Glo, c'est une personne que j'apprécie énormément. Enfin bref, c'était le moment fragile. Je suis trop content, je vais appeler ma mère, je vais faire « Maman !» Parce qu'elle m'a offert, pardon. Elle doit être en train de dormir, la vieille. Bon, moi, je vais te ranger parce que là, je vais me faire... Mon père qui va arriver,
je vais speeder, je vais ranger, je vais manger. Et moi je vous dis à la prochaine.